Salut tout le monde, je me trouve en Vendée et je vais tester le tout nouveau parc aquatique qui est ouvert ici, pas très loin de la Tranche-sur-Mer. Ça s'appelle le Haut Glisse Park. Et c'est un très grand parc aquatique comme on peut en voir un petit peu partout en France. Donc ouvert cet été, j'ai gagné une invitation et du coup je me dis pourquoi pas aller tester ces grands toboggans là. On voit juste derrière là-bas, il y a une queue de malade et c'est pour ça que j'aime pas trop les parcs aquatiques parce que même tous les parcs en général, parce que vous êtes là en train de faire plus la queue que d'en profiter. Bon, il y a certainement des jours mieux que le dimanche pour venir, mais c'était une place pour le dimanche, donc j'ai pas trop le choix. Allez, je le teste pour vous et puis je vous dirai après un petit peu mes retours sur le parc. Bilan de l'expérience plutôt positive, c'est un très bon parc familial. Voilà, si vous avez des enfants comme moi, ben vous pouvez venir. Moi, je suis venu un petit peu en avance parce que je voulais savoir un peu ce que les enfants pouvaient faire. Et c'est surtout le parc enfant avec le seau d'eau, toutes les images que vous avez vues, vous savez, avec les jets d'eau, etc., qui leur est consacré. Le reste, c'est un peu compliqué parce que s'ils font moins d'1m50, eh bien en fait, ils pourront pas faire des grands toboggans et les autres attractions. Cela dit, vous pouvez toujours faire les rivières qui descendent tranquillement. Là, il n'y a pas besoin d'avoir une taille minimale. Il faut juste être accompagné si l'enfant a moins de 8 ans. Je vous souhaite un très bon été. En tout cas, profitez-en bien. Et ça fait partie, en tout cas, des 3 attractions à faire en Pays de la Loire pour cet été.